En fait, ceux qui sont véritablement guidés par l'astrologie, pas par le savoir astrologique, mais par le processus cosmique lui-même, c'est pas pareil. Parce que justement, il y a des gens qui ne connaissent l'astrologie qu'à travers la littérature astrologique, mais qui ne la connaissent pas dans la réalité du flux intérieur que ça provoque. Eh bien, paradoxalement, quelqu'un qui est marqué profondément dans ses viscères, si on peut dire, par l'astrologie, il n'a pas besoin de connaître l'astrologie. Il fait l'astrologie sans le savoir. Elle est en lui. Il n'a pas besoin de l'apprendre. Et de toute façon, apprendre l'astrologie, ça ne lui apprendrait rien du tout. Puisque de toute façon, il apprend les choses en lui-même. L'astrologie, il est connecté avec cette astrologie. Il n'a pas besoin de l'apprendre. Donc paradoxalement, celui qui doit apprendre, c'est celui qui n'est pas connecté avec l'astrologie. Et bien, on pourrait dire ça dans le même domaine, par exemple en musique. Celui qui apprend la musique, c'est celui qui n'est pas doué pour la musique. Quelqu'un qui est doué pour la musique, il a la musique dans le sang, si on peut dire. Il sait ce qu'il y a en lui de musical, et il n'a pas besoin qu'on lui donne des cours de musique, etc. Et dans beaucoup de domaines, c'est pareil. Un leader, c'est pas quelqu'un qui apprend à être leader. C'est quelqu'un qui est leader, qui découvre en lui-même sa capacité de leader. Et dans beaucoup d'autres domaines, c'est pareil. Être juif, par exemple, c'est pas savoir ce que c'est qu'être juif. C'est découvrir en soi-même que ce que ça pourrait être qu'être juif au monde, dans le monde. Et pour les autres. Et parfois, on est perçu différemment par les autres. Les gens vous perçoivent, vous avez un certain charisme. Et après, on s'aperçoit que ça pourrait être lié à notre judaïté dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, les choses sont en nous. C'est-à-dire que avec un certain recul, que l'on peut connecter cette expérience existentielle avec un certain nombre de connaissances et de schémas préexistants.